Salut à tous, c'est Giro Japan en direct de Paris. Donc je suis en route pour partir au niveau de l'aéroport. Donc là je vais aller prendre d'abord le RER pour me rendre directement à l'aéroport. Et puis mon départ est à 11h, donc là il est 7h30 du matin. Voilà. Pas super beau, mais bon, c'est pas grave. On est motivé, c'est cool. En espérant que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'imprévu, comme hier. Ce serait bien. Et ça y est, voilà, l'enregistrement s'est très bien passé finalement. Je suis arrivé, pas d'attente, ça a été super bien. Je suis passé directement pour l'enregistrement des bagages, donc ça c'est top. Du coup, il me reste un petit peu de temps pour prendre un petit déj vite fait. Voilà, je vais prendre. Parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner, je suis assez parti rapidement ce matin. Et puis voilà, après on va aller directement à l'embarquement. Passage de contrôle est terminé. Il n'y a plus qu'à patienter tranquillement. On va attendre là, tranquillement. Bon, ça va, c'est cool. Donc appréhendais un petit peu, j'avais peur d'arriver un petit peu à la bourre. Finalement j'ai un peu d'avance, donc c'est bien. Et voilà le petit avion dans lequel je vais partir. Et donc c'est parti, j'embarque. C'est parti pour l'embarquement. Pareil pour ce grand trip. On va faire l'inauguration quand même. Comme j'avais dit l'autre jour, des pucelages aériens. Et voilà, c'est parti. Je suis enfin installé dans le. Alors c'est cool parce que du coup j'ai pu avoir une place au niveau de la issue de secours. Adopt the safety position that is illustrated on the safety instruction card. You are required by law to observe all signs and to follow the instructions from the crew. Meine Damen und Herren, bitte stellen Sie jetzt noch die Rückenlehne Sitze senkrecht und klappen Sie die Tische zurück. Wir möchten Sie auch bitten, die Sonnenblenden am Fenster wieder vollständig.
arrivé à Francfort. Mais je trouve, voilà, pour un premier vol, je trouve que c'était cool parce que en plus j'avais personne à côté de moi, donc ça c'était super sympa. J'avais une bonne place, je pouvais m'étaler les jambes, donc voilà. Je pense que pour un premier vol, je pense, à mon avis, on peut pas faire mieux. Bon, et c'est parti pour le deuxième vol. A, B, C, A, this way. Okay, thank you. Salut à tous, et ça y est, je suis enfin arrivé à Osaka. Regardez ce petit figurine derrière moi, franchement ça claque. Un petit truc de Zelda. Et qu'ici qu'on peut trouver ça, franchement c'est génial. Donc là c'est parti pour une grosse journée, je pense, on va essayer d'en profiter. Là j'attends que ma petite chérie me rejoigne. Et puis ça va, je suis un petit peu fatigué, mais ça va, je tiens le coup. Je pense qu'on va pouvoir quand même se faire une bonne petite journée et en profiter à fond. Voilà, allez, c'est parti. Bon bah ça y est, maintenant direction Namba. J'ai acheté un ticket pour aller rejoindre Miwako. On a super beau temps, franchement c'est top. Franchement il fait beau, il fait pas trop froid, donc c'est cool. Donc là on attend le bus et puis après direction Namba. Arrivé à Namba, donc j'ai plus qu'à attendre une petite heure. On va attendre tranquillement que ma chérie me rejoigne, et puis après, je sais pas, on va peut-être essayer d'aller manger quelque chose parce que je commence à avoir un petit peu faim. Et vu tous les restos que je viens de passer là, c'est obligé, il va falloir que je mange. Bon, plus qu'à patienter. Nous sommes arrivés dans le Airbnb. Bon, ça s'est mieux passé finalement qu'à Paris. Alors, petit logement assez sympa finalement. Hop, je vous montre. Il y a deux grands lits, un petit coin à cuisine, les toilettes japonaises à tester bientôt, et puis une petite douche. Alors, un truc qui est vachement marrant, j'ai jamais vu ça. Pour aller aux toilettes, il n'y a pas de porte. Ah, j'avoue que ça c'est pas mal quand même. Bon, maintenant on va aller faire un tour. Il est quelle heure? Il est 14h. J'ai un petit peu faim, donc on va aller manger un petit peu.
Et voilà, le premier petit repas. Ça va faire du bien. Et pour finir, un petit dessert, une bonne petite coupe de glace. Bon bah voilà, journée qui se termine. Finalement, j'en ai pas fait grand chose parce que arrivé aux alentours de 4 heures, j'ai eu un gros coup de barre. Donc finalement, je suis rentré. On s'est un peu promené un petit peu à pied. On a vu pas mal de restos, de boutiques. Donc je pense que je vous ferai sûrement une petite vidéo là-dessus. Donc je vous quitte ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, en attendant, j'ai mangé un petit melon pan. Voilà, en profiter. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Et vous abonner sur ma chaîne YouTube avec grand plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao.